Et salut à tous et bienvenue sur ce petit live découverte de Akuma Wrath of the Fallen. Du coup, j'ai un petit souci sur le jeu, c'est que dès que je fais le retour Windows. Ok, la manette elle est revenue, c'est bon. Parfait. Hop là. Du coup, en gros, c'est un petit jeu indé qui était mis sur Itch.io si vous connaissez. Et en gros, c'est un 2D platformer assez nerveux quoi. J'en avais entendu parler il y a quelques mois, mais il y a eu des petits soucis avec le Covid et compagnie, du coup, je n'ai pas pu jouer et streamer le jeu du coup. Du coup, on peut faire des wall jump, on peut glisser comme ça, taper vers le bas, vers le haut. On peut lancer la hache. Enfin, une hache, une épée, on va dire. Son katana quoi. Et en gros, c'est avec la barre qu'il y a sur. En haut à gauche, les lanternes c'est les vies. Et la jauge qui monte à force de faire des kills, ça nous permet de d'utiliser des capacités, de se téléporter et compagnie. Là j'ai pris un hit et en haut à gauche j'ai perdu une lanterne. Il y a des petits checkpoints. Le saut, le truc vraiment standard quoi. C'est vachement sympa le renvoi de balles. J'attendais le bon moment avec le triangle, on voyait bien qu'il allait tirer. Faire des jumps comme ça sur les. C'est réinitialiser un saut aussi lorsqu'on touche un ennemi dans le ciel. Du coup, ça permet de faire des combos aériens vachement sympa. Ça c'est un peu chiant des fois je trouve, ça lance pas où je veux lancer le katana. Je visais vers la droite, c'est parti à gauche.
ça me l'a refait. Là aussi, ça me l'a renvoyé vers la gauche, le katana, là. En fait, t'as un mec qui est à gauche de la map là. Ouais, j'ai découvert ça là, mais j'ai un bug de ouf. Je sais pas si c'est ma manette ou si c'est le jeu là qui fait que, mais des fois quand je veux lancer le katana quoi, ça le lance pas du tout où je vise en fait. Genre je regarde à gauche et ça l'envoie à droite quoi. Je me sens arnaqué là. Là, tu vois, je fais stick vers la gauche pour taper avec mon katana et le gars il dash à droite. En plus, j'ai l'impression que je lag de ouf. Je sais pas si j'ai un souci. Ouais, j'ai regardé ça tout à l'heure. Salut, salut! Tout cas, il y a moyen de. Je sais pas si la vitesse est capée là, mais. Quand tu fais le dash comme ça là vers l'avant, il y a moyen de faire des trucs marrants, je pense.
peux tellement aller loin. L'autre, je suis remonté tellement j'étais super bas. Par contre, ça, c'est le drame quand tu tombes dans les pics comme ça. Et salut, salut, café, Nescaféine. Ah, les dash, c'est. Tu gagnes tellement de temps là. C'est vachement sympa comme jeu. Petit samouraï un peu démon là, c'est. J'aime bien. Après, ouais, les snipers, comme tu dis, c'est relou quoi. Après, à force de. Là, c'est quand même mieux en sautant que juste taper, quoi, je pense. Pour gagner du temps. Je ferai 2-3 runs et après je mettrai le chrono pour rigoler aussi. Verra combien de temps je mets aussi. Même la loupe de musique, la guitare, elle va bien quoi. C'est vraiment propre hein. Pour une petite équipe, vraiment super sympa. Par contre, ça c'est. Tu vois là je prends des. J'ai pris un hit là de la gauche, y'a personne. Enfin, en fait il y a des ennemis que j'ai pas tués je pense qui sont arrivés. Et tout à l'heure ça me l'avait déjà fait en fait. Ouais tu vois, y avait des mecs qui étaient pas morts en fait. Et ils pouvaient me tirer dessus. Ah oui, tu fais une deathless run. Bah, j'ai pris la version qu'il y a sur le itch.io, du coup je sais pas c'est quelle version. Quand je fais start c'est pas écrit, je sais pas du tout. Va dire je l'avais téléchargé il y a un mois ou deux vu que. Après entre temps j'avais chopé le Covid, du coup j'étais couché donc j'ai pas trop joué.
qu'il y aura personne là-haut. Après même le système de mana là, pour utiliser le lancer de DP, c'est malin de d'avoir fait... tu fais des kills, ben t'as de l'énergie quoi. Par contre par le bas j'arrive pas à les renvoyer le truc. J'ai pas joué à Hollow Knight. J'ai le jeu mais j'ai toujours pas joué. Après dans... J'allais dire ce qui serait pas mal, ça serait avoir un objet à lancer, mais en fait on a déjà le lancer de katana du coup. Après je sais pas si c'est prévu d'avoir d'autres armes et tout, mais genre si t'as deux katanas, ça pourrait être marrant aussi. Ou peut-être utiliser un truc par rapport au vu qu'il est un peu humain-démon, peut-être avec des pouvoirs de démon, je sais pas. Ça pourrait être sympa. Je vais regarder du coup là, je sais pas si on quand j'aurai fini le quelle version j'ai. Attends, je pense que j'ai un souci de connexion là, j'ai l'impression que le stream il fait que sauter quoi. En vrai, quand j'ai testé en off, j'avais pas de petits lags. J'ai l'impression qu'avec Streamlabs OBS, ça me fait des petits lags en fait. C'est trop bizarre. En tout cas, c'est vachement cool. Hein.
du coup, votre équipe, elle va essayer de faire un autre prototype pour continuer le jeu ou vous êtes sur d'autres projets vu que c'était sur Itch.io, j'ai vu. C'était projet étudiant, du coup. J'ai pas le range, t'es sérieux? C'était par là-bas qu'il fallait aller quand j'ai regardé tes vidéos. En fait, j'ai traversé le mec. J'ai traversé le monstre avec mon épée en fait, et j'étais devant lui, il me poussait quoi. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu lances ton épée là, on dirait qu'elle va pas tout le temps à la même distance en fait. La hitbox vers le haut, elle a l'air un peu bugueux. Yep. Oh, c'est bien ce que tu disais, ouais, en 30 minutes, tu finis le jeu. Yep, bah merci pour les GG. En tout cas, c'est bon petit projet fait par une bonne petite team, vraiment sympathique quoi. L'OST, les graphismes aussi là en pixel art, ils sont vraiment sympas. Et même le gameplay grave nerveux avec tout ça, c'est sympa quoi. Deuxième run, j'ai pu arrondir 20 minutes. Ah bah oui, bah elle est morte.
façon, dans tous les jeux, c'est punitif, hein, on va dire. Après, j'avoue, j'ai joué un peu bourrin, quoi. Je vais juste virer mon split. Comment on marche? Ça marche déjà, ça. Yep, pas de soucis, bah merci d'être passé. De toute façon, je vais faire quelques runs. Par contre, ça c'est le bug que j'avais, que je disais tout à l'heure, c'est que des fois quand je veux. Faut que j'aille modder. Et oui. C'est que quand je quitte le jeu là, je fais un retour Windows, je peux plus. Je suis obligé de faire Alt F4 en fait. Allez. Bah du coup, merci d'être passé, hein. C'est très très cool. Moi, je vais faire 2-3 runs sur le jeu pour le fun. On va faire des petits speedruns pour rigoler. Est-ce que ça marche le temps? Tac. Ah, ça me le refait. On va essayer de faire un sub 20 minutes déjà. En fait, ton chrono, tu l'as fait starter à partir de quand? C'est ça le truc. Faire 1, 2, 3, 5. T'as 5 secondes, 6, 7. Ouais, t'as 8 secondes à peu près quand tu fais un restart. Ah mais c'est quand tu bouges en fait que ça. Okay. Du coup. En fait dès que t'apparais, dès que tu bouges, t'appuies.
Oh, le mec caché derrière le petit rond là. Voilà, je suis bien passé quoi. Ça, c'était très nul en tout cas. Ah, les bagdages, des fois tu fais des sauts super loin. Je crois que c'était là-haut, putain.
l'ai tellement bien faite cette salle. Oh, le temps que je perds là. Je suis mort à 10 minutes au boss. Pour le fun, je vais tenter de continuer. Hein. Ça me refait ça là. Bon bah c'est pas grave hein. Un peu le boss, mais faudrait que je teste de record en local. Allez, du coup, fini la
une run sur le jeu. Il y a moyen de faire, je pense, sub 11 minutes en mode YOLO. Je pense qu'il y a moyen de le finir en 10 minutes. En vrai. Quand tu connais bien le chemin et tout. Du coup, ben, merci aux gens qui sont passés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que les prochains projets de cette petite team ils aboutiront et qu'on aura d'autres jeux de qualité comme celui-ci. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.